Bonjour mes amis, Deus abençoe que Dieu vous bénisse, que l'Esprit du Dieu Très-Haut, l'Esprit du Créateur, l'Esprit de Dieu, lorsque je parle l'Esprit de Dieu, vous devez penser le suivant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que vienne avoir une portion sec et est venue la terre. Alors l'Esprit de Dieu est celui qui a dit que ceci soit et d'autres choses. Tout ce qui existe dans le ciel, dans la terre, est la création du Saint-Esprit. L'Esprit du Très-Haut Dieu. Avez-vous déjà imaginé l'avoir dans votre intérieur? Avez-vous déjà imaginé ça? Ah, évêque, mais cela, c'est très difficile. Vous savez que je suis en train de chercher le Saint-Esprit. Cela fait de longues années, je n'ai pas réussi encore. Réellement. Réellement. Ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Je vais vous expliquer. J'ai eu déjà cette difficulté. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Parce que le difficile, ce n'est pas en qu'il vienne sur nous. Le difficile se trouve en que nous venions à placer tout, notre tout sur son autel. Cela, c'est difficile. Nous trouvons des difficultés pour recevoir le Saint-Esprit à cause de ça. Vous avez vos propres rêves. Ah, vous êtes célibataire. Ah, je veux me marier. Ah, je veux conquérir ceci, cela. Ah, je veux acheter ma maison. Je veux garantir mon futur. Les personnes s'attachent aux choses de ce monde, de cette vie. E lá resta difícil. E chaque chose que vous saisissez de ce monde, plus difficile reste pour vous, porque vous venez à recevoir le Saint-Esprit. Parce que imaginez-vous, mon ami, pensez avec moi. Pensez avec moi. Jésus a dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est semblable à un homme qui a trouvé un trésor très précieux, très valeureux en champ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cela, c'est une parabole. Il a caché, il a mis des herbes là, il est allé à sa maison, il s'est défait de tout, 100%. E acheter ce chão que havia esse trésor. Assim, é o Saint-Esprit. Você tem que vous devez ter essa consciência. Avoir cette conscience. A culpa de você não ter recebido. La faute de ne pas recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas du pasteur, de la dénomination. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes en péché. Ni toujours. Des fois, la personne, elle n'est pas dans le péché et elle pense, ah, je ne suis pas dans le péché, j'ai le droit. J'ai le droit. Je mérite. A commis l'erreur. Personne n'a le droit. Nous tous, nous sommes des misérables pécheurs. Mais, lorsque nous plaçam no rêve sur l'autel de Dieu. Quel est votre plus grand rêve? Qual é o seu maior objetivo? Eu digo assim, em termos quel est votre plus mundo? Grand objectif? Em termos de ce monde? Qu'est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de votre cœur dès l'enfance? Pois é. Très esse bien. Ce rêve ou ses rêves, placés sur l'autel. Lorsque vous allez placer tout sur l'autel, alors de l'autel va venir l'Esprit qui va sanctifier, va vous sanctifier, va prendre possession de votre vie, va vous recevoir comme offrande vivante
por ruína. Então ele desce sobre você. E alors il descend sur vous. É isso que aconteceu com Jesus. C'est cela que se produit avec Jésus. Jésus a dû recevoir le Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre qu'il a fait. Quando ele recebeu, alors lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, diz o texto sagrado, dit le texte sacré, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, parce qu'il était né de Dieu. Il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais même ainsi, il s'est dépouillé lui-même. Il fez a si mesmo de nenhuma reputação. Zéro de reputação. Il ne pourrait pas dire, ah, je suis fils de Dieu, ele je suis né du Saint-Esprit, je reçu le Saint-Esprit. Vous avez vu le Saint-Esprit en forme de colombe descendre sur moi. Rien de cela. Jésus n'a rien parlé. Il a pris la forme de serviteur. Serviteur est celui qui obéit. Serviteur sert uniquement pour servir. Saviez-vous de cela? Serviteur. Sert uniquement pour servir. Ou vit uniquement pour servir, parce qu'il est serviteur. C'est cette situation de Jésus. Et devant Dieu, il n'y a pas de patron, tête, ah, je suis ceci, cela, rien de cela. Vous devez vous placer comme serviteur, en train de donner votre volonté, ou en train de donner vos volontés pour lui. Jésus s'est fait semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, cela veut dire, en étant serviteur jusqu'à la dernière goutte de sang. Et mort de quoi? Que c'est la mort. La mort la plus honteuse, la plus humiliante qui existait à cette époque-là. Dit le texte sacré. Voyez comme c'est beau. S'il a honoré Dieu avec sa volonté, en train de s'humilier à soi-même, s'il s'est dépouillé de sa gloire, de sa divinité, s'est déshabillé de soi-même, en prenant la forme d'un homme, alors Dieu, le Père, dit le texte sacré. C'est pourquoi aussi Dieu, vous savez qu'il y a des mots ici, dans la Bible, que vous devez arrêter et raisonner. C'est pourquoi. Por ce que Jésus a fait, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout, Il lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom. Le nom le plus important qui existe au ciel et sur la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou de ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout. Fléchisse le genou devant lui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Pourquoi? À la gloire de Dieu le Père. Alors, imaginez, lorsque vous honorez Dieu avec votre vie, oh mon Dieu, voilà mes volontés, mes rêves, tu sais ce que je veux dans ma vie. Que le Seigneur sait de mes rêves. Je vais répéter mon témoignage. Une fois,
J'étais en train de marcher dans la rue. Ali na Lapa, no Rio de Janeiro. À la Lapa, au Rio de Janeiro, en direction du travail, avec le livre en train de marcher, j'étais en train de penser, que dois-je faire? Et j'étais en train de faire économie ou ingénierie. Je pensais comme ça. Économie ou ingénierie. J'étais dans le pré-vestibulaire. Et j'étais en train de penser quoi? Je vais me marier, constituer casar, famille, etc. Ces rêves des jeunes, rien d'erroné. N'a rien d'erroné. Ce sont des rêves. Mais le Saint-Esprit a parlé avec clarté. Comme vous êtes en train de m'entendre maintenant, il a parlé avec moi à ce moment. Du rien. J'étais en train de penser dans mes rêves. Le Saint-Esprit a parlé. E a quoi sert que tu ganhes le monde entier e perdes ton âme? Lorsqu'il a parlé cela, j'ai compris parfaitement sa volonté pour ma vie. Je me suis arrêté. Mes pensées sont arrêtées et ont focalisé dans cette parole. Et dès ce jour, j'ai couru derrière. Pour placer mes rêves sur l'autel e laisser que Dieu puisse diriger ma vie selon sa volonté. E lá je suis ici. Cela fait 60 ans comme ça. Ce n'est pas beau? Não é legal? Beaucoup de personnes disent: Ah, l'évêque. Est une étoile, plus grande. Ah, l'évêque a eu de la chance. Ah, l'évêque. A été intelligent, rien de cela, mon ami, rien de cela. Vous savez qu'elle a été mon secret, qu'elle est mon secret. J'acquéris le champ qui a le trésor inépuisable. Et ce trésor a passé pour mon intérieur. J'ai ouvert membre de mon trésor personnel. J'ai dû laisser mes trésors, ou mon trésor, que c'était rien. J'ai mis sur l'autel. Et en échange, le Seigneur m'a donné son esprit. Et ce qu'il a fait avec moi, il a fait avec tant de personnes, grâce à Dieu. Celui-là est notre but, notre désir, que tous aient le Saint-Esprit. Je veux que vous ayez le Saint-Esprit, mon ami, plus que l'argent, plus que mariage, plus que des réalisations, plus que votre santé, plus que reconstruire votre foyer, votre maison. Le Saint-Esprit est le commencement de la vie. Il est Jésus. Un esprit dans notre intérieur, afin de nous guider en toute vérité, afin de faire de nous une source, cela veut dire une bénédiction. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il fait de nous la propre bénédiction. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous laissez de rester dans la dépendance des personnes, vous laissez de rester dans la dépendance des choses, du monde, de tout ce que le monde offre. Vous déliez, vous méprisez ce monde, pas les personnes, mais tout reste en second plan, parce que vous avez l'Esprit de Dieu dans votre intérieur. Vous aimez rester en train de mendier des prières. Évêque, prie pour moi. Évêque, s'il te plaît, prie pour mon mari, ma sœur, évêque. Lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous allez prier pour eux. Vous allez être la source. Jésus a dit ça. Jésus disse, olha, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai,
parlando do Santo Espírito, fazendo referência ao Santo Espírito, setor, esta água, quer dizer, o Espírito Santo, deviendra, se fará ali, nele une source, uma fonte que jairá por toda eternidade. Para jair por aquele tão dans ce monde, mas por toda eternidade. Toda eternidade. Croyez-vous ça? Você crê nisso? Mon ami, mon ami. Meu caro. Croyez-vous? Você crê? Très bien. Pois bem. Se vous croyez alors, se você crê, faites, então, faça. Ce que Jésus a fait. O que Jesus fez. Jésus était Dieu. Jesus era Deus. Se fez homem. E se fez homem. Se humilhou a sua mesmo. Se humilhou a si próprio. Ila. Ele. Ila. Ila Père. Ele e o Pai. Até um. Era um. Mais il est sorti mas du Père. Ele saiu do Pai. E semi como serviteur. Serviteur é celui que serve. É Jesus a été serviteur jusqu'à la dernière goutte de sangue. Por sei lá, Dieu l'a exalté. Mais então, vous n'avez pas à être crucifié. Não. Rien de cela. Mais vous devez crucifier le monde. Vous devez laisser le monde en autre plan. Parce que porque celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ni peut nem être. Alors beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'elles aiment le monde. Aiment ama as coisas les choses, cette vie, vida, ce monde passager. C'est cela. É isso. Lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous quando n'allez pas me poser la question « Vê, qu'est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit ?» Non, le propre Saint-Esprit va confirmer avec vous, mon fils, ma fille. Maintenant, tu peux m'appeler de Père. Quelle merveille. Alors, vous qui êtes né sans Père, sans Mère, vous avez été élevé, développé. Vous qui avez été jeté dans le monde, souffrir. Sofre. Vous avez connu uniquement la souffrance, la douleur, l'injustice. Vous avez connu uniquement la douleur. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la joie. La joie, c'est un rêve, c'est un mirage de votre tête parce que vous vivez la torture de ce monde infernal. Mais lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez devenir la personne la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus remplie de paix dans ce monde. Vous allez avoir tant de paix comme je l'ai. Vous n'allez pas avoir plus, vous n'allez pas avoir moins. Vous allez être tant joyeux comme je suis. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va vous remplir, va faire de vous la propre bénédiction, la source. Vous savez que la source est toujours en train de jaillir, en train de donner. Oui ou non? C'est beau ça, n'est-ce pas? La source est toujours en train de donner. Et donnant. Alors, mon ami, pensez grand. Dieu est grand. Dieu est immense. Dieu est infiniment, infiniment grand. Ce qu'il a promis pour Abraham jusqu'à présent, il est en train d'accomplir. Il est en train d'honorer Abraham. Parce que lorsqu'on parle du Dieu d'Abraham, on est en train de parler du Dieu qui a fait alliance avec Abraham. Et cela, parce qu'Abraham l'a servi. Abraham a été serviteur. Que ça, a mis son futur, son destin, tout dans ses mains. Vous pouvez faire ça. Avez besoin d'argent pour faire ça? Vous avez besoin de mériter pour faire ça? Vous n'avez besoin de rien. Vous avez juste besoin de décider dans votre tête. Oh, réellement. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je vais faire ça. Allez aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Allez dans une église, même dans votre église, dans votre dénomination. Não importa. Peu importa. Ou lá où vous êtes. Você pode. Vous pouvez agora, maintenant recevoir le Saint-Esprit. Saviez-vous de cela?
não há parede, não n'y há pas de mur, um impedimento para ele descer. Não há nada, porque descendo dans votre vie, à part vous-même, vous-même. Quando você lorsque vous colocar toda a sua vida no altar, quer toute dizer, votre vie sur l'autel de la Bible, vraiment, como serva, vous vous placez comme serviteur, servante lui, comme on dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voilà ma vie. Mes rêves. Mes rêves, mes projets. Você continua estudando, você continua vous continuez à étudier, continue vous continuez à travailler. Vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais la pensée focalisée en lui. Ele lá, visitá-la, visitá-la. Ele vai vous visiter agora, e peut-être lá en ce moment. Peut-être maintenant. Ah, bispo, ora por mim. Ah, évêque, prie pour moi. Non, não vou orar, não. Você je ne vais pas orar. Prier. C'est vous use qui allez prier. A fé que utilisez você tem aí de la foi que é vous avez dans importe. Votre intérieur. C'est petite, peu importe. Mais se ela é puissante. Pura. Se ela é pura, limpa, pura, transparente, sincera, Deus busca pessoas Dieu cherche des personnes sincères, pessoas sinceras. Ele não des personnes sincères. Ele não cherche pas des personnes parfaites. Porque ele sabe que não vai achar. Ele não cherche pas ninguém. Perfeição en nous parce qu'il ne va pas trouver personne. Personne mas, va avoir la perfection. Mais diz, oh, lorsque la personne dit, oh mon Dieu, cheia de erros, eu sou assim. Je suis rempli d'erreurs, je suis comme ça. Todos nós somos de falhas. Somos humanos. Nous tous sommes remplis de failles, nous sommes des humains. Des fois, nous parlons de choses que nous ne devrions pas parler. Des fois, nous pensons des choses que nous ne devrions pas penser. Des fois, nous regardons des choses qu'on ne devrait pas regarder. Des fois, nous jugeons de façon erronée, humanos, parce que nous sommes, carne, humains, somos nous sommes matéria, chair et os, nous sommes des matières qui est détériorables, mais quand qui est détériorable, mais lorsque nous présentons à Dieu la sincérité. Nada como a sinceridade. Mon ami, mon ami, rien comme la sincérité. Parce que Dieu sait déjà qui nous sommes. Mais lorsque nous reconnaissons notre fragilité, nos faiblesses, notre rien, et nous parlons Dieu et compassion. Seulement ta compassion peut me sauver. Dieu. Alors approuve. Il scelle, il bénit. E ele remplir a pessoa com o Santo Espírito. Mon ami, mon ami, vous pouvez saisir ce moment où vous êtes e faire ça. Lá mesmo. Ne restez pas dans la dépendance de personne. Sobretudo. Dépendez de vous-même. E surtout, Deus abençoe a todos. Des promesses de Dieu. Que Dieu bénisse tous. E aujourd'hui, especialmente hoje, comme arrive. Especialement aujourd'hui, você gosta da palavra? Mercredi, gosta. Vous aimez la parole? Aimer? D'entendre la parole de Dieu? Vous aimez? Amen. É você chegar très bien. A um ambiente, le bien, c'est que vous arriviez en ambiance onde todos pure, devem où estar tous na mesma fé, no mesmo espírito, doivent no être coração, dans la même foi, dans le même esprit, Senhor, dans un seul cœur, cherchant un seul Seigneur. Que é a igreja, e em servant en seul Seigneur, que c'est l'Église du Seigneur Jésus. Hoje, alors, se vous voulez, aujourd'hui, ici au Temple de Salomão, voyez le Temple, voyez. Pois bem, dá um pulinho. Voyez. Très bien. Nada. Allez là-bas. Ça ne coûte rien. Vous n'avez ni à payer le stationnement. Com coração aberto. Vous avez juste à aller avec le cœur ouvert afin de placer sur l'autel ce qu'il y a dans votre cœur. Que Dieu bénisse ce soir à 20h ou à n'importe quelle église universelle éparpillée partout dans le monde. Que Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.
et que vous ayez un jour comme vous n'avez jamais eu auparavant dans votre vie.